Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Chez nous, tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. 5 minutes avec la prophétesse Clozel. Nous reprenons avec nos émissions. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Aujourd'hui, j'aimerais aller lire avec toi dans le livre d'Ésaïe 60. À partir du verset 1, dit tout va bien. Dis après moi, tout va bien. Alléluia. Dis tout va bien. L'Éternel, il est vivant. Il va te faire énormément du bien. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Chez nous, tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. Et laisse-moi te dire que l'Éternel va te faire énormément du bien. La Bible déclare ceci. Je prends verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et de rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. L'Éternel est en train de te parler. L'Éternel va te faire énormément du bien. L'Éternel te demande de te lever. Ne t'assois pas. Ne t'apitoie pas sur ton propre sort. Ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que c'est terminé. Ne te dis pas qu'il n'y a plus rien à faire. Ne te dis pas que j'ai trop mal. Je suis trop désespéré. Mon cas est déjà terminé. C'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Arrête de te dire que Dieu m'a certainement oublié. Arrête de te dire que Dieu ne me voit pas. Il te dit lève-toi, tu dois te lever, tu dois faire un pas. Fais un pas devant l'Éternel, fais un pas de la foi. Fais un pas avec ce Dieu-là, lève-toi. Il te demande, il te donne l'orientation. Il te parle alors pour que ton miracle là s'opère, pour que ta délivrance se lève. Il te dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia, la lumière arrive sur toi. Tu dois te lever, les ténèbres qui couvraient la terre sur toi, ça ne marchera plus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais bien au contraire, tu marcheras dans la lumière au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. On va lire le psaume 27 au verset 6 rapidement, dit tout va bien. La Bible dit, et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Shalom à toi, sois béni. Tu vas aller prier avec moi et dire à l'Éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour le rendez-vous avec ce jour. Je te bénis, Éternel. Je t'élève, Éternel, pour cette nouvelle journée que tu m'as accordée. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je viens te demander de me protéger et de me garder. Accorde-moi, Éternel, ma délivrance. Et je viens aujourd'hui annuler tout rendez-vous avec la négativité, avec la peur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je les demande de s'en aller. Tous les gangs éternels qui se lèvent contre ma paix, aujourd'hui je les disperse au nom de Jésus. J'appelle la désolation dans le camp de l'ennemi, la désolation dans le camp de la sorcellerie. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi dans ma vie, mon Père. Réorganise, Éternel, ma vie. Réorganise, Éternel, mon Dieu, mon roi, le système, Éternel, papa, de ma vie, pour confondre, Éternel, les mauvais observateurs, pour confondre, Éternel, ceux qui veulent me voir tout le temps dans l'obscurité, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, que tout poursuivant obstiné de me combattre, Éternel, que ça vienne de la maison de mon père, de la maison de ma mère, Éternel, fais-les échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si ma lumière a été éteinte ou volée, oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui réallume-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de l'Éternel dissout maintenant toutes les ténèbres sur ma vie, mon nom, mon prénom, ma date et lieu de naissance, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, lève-toi et disperse les ennemis, Éternel, qui ont refusé de me laisser partir, qui ont refusé de me laisser, Éternel, réussir. Aujourd'hui, je riposte, Éternel, chaque flèche de transfert, d'échange, Éternel, de destinée qui a été opérée contre ma vie au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toi, gloire de ma destinée, refuse les commandements des observateurs d'étoiles, des chasseurs d'étoiles, de tous ceux qui combattent ma lumière au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que chaque gardien des prisons de mon étoile, aujourd'hui, libère-le. Je t'ordonne de tomber, de disparaître, de libérer mon nom, mon prénom, ma date et lieu de naissance. Au nom de Jésus-Christ, je
rejette et je révoque, éternel, toute prière démoniaque, alléluia, qui a été prononcée contre ma vie, contre mon nom, contre mon prénom, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'appelle la liberté, chaque flèche tirée, éternel, contre mon témoignage. Aujourd'hui, reçois le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise marque ou écriture, éternel, imposée contre moi, aujourd'hui, papa, tu le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Chaque éternelle déclaration satanique sur ma vie, sur mon étoile, tu le rends nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour les 5 minutes avec la prophétesse Clozel. Merci pour ma prière exaucée. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, je te déclare béni. Brille avec l'éternel. Avance avec l'éternel. Je dis brille au nom de Jésus-Christ. Brille et va de l'avant. Réussis. Là où l'obscurité avait couvert ta vie, ta destinée, ton étoile, brille maintenant au nom de Jésus et que ton témoignage soit le prochain. By fire, by force. Dis tout va bien. Chez nous, tout va bien, Jésus-Christ est Seigneur. À très bientôt. Shalom. Bye.